Bonjour, bienvenue à notre 23e vidéo du cours de chimie NYB, donc chimie des solutions. Aujourd'hui, nous allons attaquer l'étude de la cinétique chimique du point de vue de l'influence de la concentration des réactifs sur les vitesses de réaction. Dans notre cahier de notes, nous sommes présentement à la page 50 et la prochaine sera la page 51, bien sûr. Et dans le livre de Madame Tournier, nous sommes autour de la page 193 dans le chapitre 5 à la section 5. Nous sommes rendus au moment où nous allons essayer de voir l'influence de la concentration des réactifs sur les vitesses de réaction. De façon générale, on peut imaginer que plus un réactif est présent, plus il y aura de chances que la réaction se fasse. C'est la réaction dépend de sa quantité, et donc la réaction devrait aller plus vite. En pratique, et de façon expérimentale, on découvre que la situation parfois est beaucoup plus complexe. Comment on étudie les vitesses de réaction et comment on étudie comment est influencée la vitesse d'une réaction par la concentration des réactifs, je vous amène à la page 51 de nos notes, qui est la page suivante, à une diapositive qu'on utilisera dans la prochaine vidéo. Mais juste pour vous donner un aperçu, pour que ce que je vais vous montrer aujourd'hui ait plus de sens. Regardez ici, on a une réaction chimique entre le BrO3- Br-H3+. Trois réactifs qui donnent deux produits, du Br2 et du H2O. Pour étudier la vitesse de réaction de ce procédé chimique-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder les trois réactifs, le BrO3-, le Br- et le H3+. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au laboratoire, on va faire des réactions chimiques avec ces trois choses-là, en plaçant une certaine concentration de chacun de ces composés-là. Par exemple, 0,10 mol par décimètre cube du premier, 0,10 du deuxième, et encore une fois 0,10 du troisième. D'une façon ou d'une autre, selon une méthode expérimentale, telle que décrite à la section 5.3, on va suivre la réaction pour essayer de déterminer la vitesse. Vitesse qu'on va mesurer en mol par décimètre cube par seconde. Une fois qu'on a fait une réaction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va varier la concentration de un des trois réactifs, mais pas les deux autres, pour voir l'influence que ce réactif-là a sur la vitesse de réaction. Par exemple, la deuxième expérience qu'on ferait, on ne varierait pas la concentration des deux premiers, mais on doublerait la concentration de H3+. On s'aperçoit que la vitesse, eh bien, elle, quadruple. Et donc, ce genre d'expérience-là, on pourrait en faire des dizaines pour comprendre l'influence de chacune des concentrations de chacune des espèces sur les vitesses de réaction. On y reviendra dans quelques instants, mais en premier lieu, il faut définir quelques trucs, donc apprendre du nouveau vocabulaire. Lorsqu'on décrit une réaction chimique de type très général, A plus B donne du C plus D, avec encore une fois les lettres minuscules qui désignent les facteurs ou les coefficients stoichiométriques. On peut montrer expérimentalement que les vitesses de réaction de ce type de réaction-là va dépendre de deux choses. D'une constante, ici, qu'on appelle la constante de vitesse de la réaction, et de la concentration des réactifs. Maintenant, la concentration des réactifs, on va la nommer par des parenthèses carrées, et on va placer à l'intérieur l'espèce chimique en question. Et ces concentrations-là, elles sont élevées à une certaine puissance. Vous le voyez ici, c'est exposant alpha et exposant bêta. Le alpha et le bêta ici sont utilisés de façon générique, comme étant la première lettre de l'alphabet grec, la deuxième lettre de l'alphabet grec, donc alpha, bêta, et s'il y en avait une troisième, ce serait gamma, une quatrième delta, etc. Ces exposants-là, eh bien, on vérifie quelles sont ces valeurs ou les valeurs de ces exposants-là expérimentalement. On ne peut pas les prédire de façon théorique. On doit absolument aller voir quels sont les résultats expérimentaux des expériences que je vous ai présentées, là, qui vont nous venir à la page 51, et on les trouve expérimentalement. Donc, en premier, définissons la constante de vitesse de la réaction, qui est le K minuscule. Et cette constante-là ne dépend pas de la concentration des réactifs. Mais elle dépend de, entre autres, elle dépend de la température.
Nous le verrons dans le prochain, dans la prochaine section. Et entre autres, elle varie avec la nature des réactifs. Ce qui fait que la valeur d'une constante va dépendre de la réaction en particulier. Une autre réaction chimique, même si ça utilise peut-être le même mécanisme, aurait une autre valeur de constante, de vitesse. Les deux exposants, alpha et bêta, mentionnés précédemment, qui sont les deux puissances auxquelles on élève les concentrations, on appelle ça, pour la cinétique chimique, les ordres par rapport au réactif A et par rapport au réactif B. Donc, le alpha va être l'ordre partiel par rapport à A, et B, ou bêta, l'ordre partiel par rapport au réactif B. Ce sont des constantes CTE expérimentales, et on ne peut pas les trouver autrement que par l'expérience. Et une chose que vous ne devez absolument pas oublier, c'est que le alpha ici, ce n'est pas le coefficient stoichiométrique A. Donc, ce n'est pas le coefficient stoichiométrique. De même que le bêta n'est pas le petit b coefficient stoichiométrique. Je me suis trompé de sens dans ce cas-ci. Donc, ce n'est pas le coefficient stoichiométrique. De quel coefficient stoichiométrique je réfère? Je parle juste ici. Là. Ici, alpha, A, A et B. Ici, dans les réactifs, ce n'est pas le alpha et le bêta. De façon générale, les ordres partiels par rapport aux différents réactifs, eh bien, vont être certaines valeurs qu'elle peut. Et ces valeurs-là, par exemple, peuvent être nulles. Donc, une vitesse pourrait ne pas dépendre d'un certain réactif. Donc, on en jase dans quelques secondes, pourrait être une valeur de 1, 2, moins 1, 1 demi. Donc, ça peut être moins 1 demi aussi, 1 demi, ça peut être n'importe quoi. Et ça, c'est vérifié expérimentalement. Si l'exposant est 0, eh bien, ce qu'on trouve, c'est que la vitesse, à ce moment-là, ce ne sera pas une fonction de la concentration de cette espèce-là. Parce que, dans le fond, cette espèce-là va être élevée à la 0. Donc, la vitesse serait proportionnel à une constante fois 1. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, il y a d'autres espèces chimiques qui seront affublées de d'autres exposants, mais ce ne sera certainement pas, pour la vitesse de réaction, dépendant de la concentration de l'espèce chimique A. L'ordre global d'une réaction, c'est en fait la somme des ordres partiels. Donc, par exemple, ici, ce serait alpha et bêta. Okay. L'ordre global de la réaction va nous servir pour déterminer les réactions d'ordre 1, d'ordre 2 et d'ordre 3, etc., d'ordre 0 si on voulait. Et ces réactions-là, on va pouvoir les traiter différemment, de façon mathématique, pour trouver la relation entre la concentration et le temps. L'ordre global sera seulement possible si l'équation de vitesse est un monôme. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un monôme? Eh bien, regardez bien, juste ici, l'expression de vitesse, ou la loi de vitesse, ou l'équation de vitesse, si vous voulez, là, c'est le fameux V est égal à une constante de vitesse multipliée par les concentrations. Eh bien, ici, c'est ce qu'on appelle une multiplication entre une constante, une autre espèce, un autre terme. Donc, on a un monôme. On a une suite de termes qui sont multipliés l'un par l'autre, élevés à certaines puissances. Il n'y a pas de division ou de soustraction. Il n'y a pas, d'addition de soustraction. Ce qui fait que ce n'est qu'un monôme. Si c'est un monôme, notre expression de vitesse ici, eh bien, on additionne le alpha et le bêta pour donner l'ordre global de la réaction. Nous, on va toujours travailler avec des vitesses instantanées. Jamais de vitesse moyenne. Donc, ça va toujours être des vitesses à un certain temps fixe. Et donc, il va falloir aller chercher la concentration de chacun des réactifs qui sont importants à ces temps-là, avant de les multiplier ensemble avec la constante de vitesse pour trouver la vitesse à ce moment-là. Quelque chose qui est super important, ce sont les unités de la constante. Parce que ce que vous voyez ici, là, ce sont des concentrations, donc concentration, multipliées par
des concentrations élevées à certaines puissances, multiplié par une certaine constante, et tout ça, ça doit donner vitesse. Vous savez, tout comme moi, que les vitesses vont assurément avoir les unités de mol par décimètre cube, seconde moins 1. Donc, il va falloir que les constantes, ici, les constantes de vitesse, changent d'unité selon ce qu'on va avoir à droite, ici, pour les multiplier. Parce que forcément, ils vont devoir être complémentaires à ce qu'il y a ici pour que ça donne toujours les mêmes unités de vitesse. Donc, quand on roule sur l'autoroute, c'est toujours des kilomètres heure ou des kilomètres par seconde ou des kilomètres par jour notre vitesse. Bien, pour les vitesses de réaction chimique, c'est toujours des moles par décimètre cube, par seconde, par heure, par minute, peu importe, mais les unités ne changent pas. Donc, les unités de K, ici, par exemple, vont toujours être dépendantes de la vitesse, les unités de vitesse, qui, elles, ne changent pas, divisées par exemple, les unités que nous apporterait la multiplication des réactifs qui sont dans la réaction. Par exemple, ici, là, un exemple. C'est des moles par décimètre cube, multiplié par des secondes moins 1 en haut pour la vitesse, et en bas, des moles par décimètre cube à la alpha, et des moles par décimètre cube à la bêta. Si on replace tout ça de façon plus simple, nos unités de vitesse vont être des moles par décimètre cube à la 1, ici parce que c'est 1 qui est là, moins alpha plus bêta, qui sont en bas. Si on multiplie deux fois la même chose, on peut additionner les exposants. Donc alpha plus bêta, ça va être l'exposant du mol par décimètre cube en bas. Et le 1 qui est en haut est divisé par tout ça, donc 1 moins alpha plus bêta. Bien sûr, ça va être multiplié par seconde moins 1. Seconde moins 1 va toujours être là. D'accord? Donc, une chose qui est super importante qu'on va repratiquer souvent, si vous avez une constante de vitesse qui est donnée en seconde moins 1, vous savez que le A plus le alpha plus bêta ici doit être de 1. Parce que si c'est 1, eh bien, le mol par décimètre cube va être de 1 moins 1, donc 0. Donc, il va y avoir seulement des secondes moins 1 qui vont rester. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'ici, c'est quoi ça? Je viens tout juste de vous le dire, ici à gauche, c'est ce qu'on appelle l'ordre global de la réaction. Eh bien, on peut retrouver l'ordre global par les unités de la constante de vitesse. Un autre exemple, c'est que si la constante de vitesse est donnée en mol par décimètre cube à la moins 2 multiplié par les secondes moins 1, eh bien, vous savez que l'ordre global, je vais l'appeler OG, l'ordre global, va être de 3. Pourquoi je vous dis ça? Bien parce que si l'ordre global est de 3, c'est 1 moins l'ordre global, donc 1 moins 3, qui va donner moins 2 pour donner ceci comme unité de la constante K. On se retrouve dans la prochaine diapositive, donc de la page 51, pour discuter de comment on fait expérimentalement pour déterminer la valeur de alpha et de bêta. À bientôt.